Yo tout le monde! Notre nouvelle paix des Brothers est enfin sortie! Là, ça va vraiment être la panique complète pour lui. Hein. En fait, on s'est trouvé dans les Datsun. Oh non, mais la ceinture est coincée. 10, et là, ça fait quand même longtemps qu'on roule. Hein. Oh, j'ai de l'eau. Ah oh. Mais dès le premier jour, tu vas finir en col. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 3 septembre là, on est vendredi, en début d'après-midi, il est posé Swan, et lundi c'est la rentrée pour lui. Du coup là il a tout le week-end, super, sauf que nous, on va lui faire croire que là la rentrée c'est tout de suite. Bon, je vais tout vous expliquer, mais juste avant, mettez un petit pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. En gros, la Swan, il est vraiment en ambiance vacances encore. Il a 2 jours avant la rentrée, posé, tranquille. Sauf que nous, on va lui faire croire qu'en fait, le collège nous a appelé pour nous dire que, en fait, on s'est trompé dans les dates, quoi. Et qu'il faut partir maintenant pour le collège directement. Et Swan, il a rien préparé, hein, vraiment, pas son sac ni les devoirs. Là, c'est vraiment de la panique complète pour lui, hein. Bon, allez, c'est parti, on commence le prank. Hello Swan, ça va? Tranquille? Hello. T'es posé là? Ouais, je suis très posé. Super. Bon, Swan, par contre, j'ai pas une très bonne nouvelle là. Ton collège a appelé pour nous dire que la rentrée c'est maintenant. En fait, on s'est trompé dans les dates, Swan. Je suis vraiment désolé, mais. C'est toi qui t'es trompé, j'ai encore envie de les affaires, faut qu'on y aille là. Non, mais c'est un prank. C'est impossible, c'est sûr. Oui, je t'ai fait des pranks, certes. Mais là, Swan, c'est vraiment pas un prank du tout. Tu mourras peut-être à la rentrée, mais tu mourras pas maintenant. Arrête de lire ta BD, Swan, c'est vrai. C'est la rentrée maintenant. Alors déjà, pourquoi tu me filmes? Bah Swan, c'est... Non, bon Swan, ok, tu me crois pas? Tu me crois pas? Vraiment? Bah écoute, va le demander à maman, vas-y. Vas-y, va demander à maman. Bon bah demander à maman. Allez. Vais, hein. Allez, Swan. Tu vas voir, elle va me dire que c'est un prank. Swan, c'est la réalité pourtant. Maman! Oh, il va vraiment quoi? Je suis là, Julie. T'es prêt? Bah, ouais, je suis prêt. Bah, il t'a pas dit Néo? On est d'accord que c'est un prank que les classes aujourd'hui. De quoi? C'est pas un prank, chérie. Le collège vient juste t'appeler. Il t'a pas dit c'est un prank? Non, c'est pas un prank. Mais moi je croyais que c'était un prank. Donc je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Non, c'est pas un prank. T'as préparé ton sac? Non, il vient juste t'appeler. Dépêche, dépêche, dépêche. Je te l'avais bien dit. On l'a bien eu, hein. Merci, maman. Bon, il est parti vers son sac. Ça marche du tonnerre. Ah yes. Ça gère rien. J'étais sûre qu'il allait pas te croire. Ah, mais franchement, la King. Je fais tellement de pranks. Bon, donc en fait, bien sûr, je suis dans la confidence, sinon ça serait un peu compliqué. Merci. Donc, pendant que Swan va faire son sac, nous, avec Néo, en fait, on a déjà préparé les valises. Ouais. Greg aussi est dans la confidence, évidemment, il nous attend dans la voiture. Là, on finit de charger le coffre. On fait croire à Swan qu'on part précipitamment dès que son sac de cours est prêt. Et hop, c'est parti. Tu leur as dit où on allait ou pas encore? Ah non, c'est la surprise. C'est une destination surprise. Chut. Ouais, est-ce que c'est bon là, t'as tout? T'as toutes tes affaires? Non, tu pourrais appeler maman! Swan, faut vraiment que tu te dépêches là, parce que là on a plus le temps, Swan, tu te dépêches. Appelle vraiment. Maman! Okay, okay. Si j'ai pas envie des trucs! Maman, viens, il demande confirmation là, Swan! Dans le retard! Non, Swan, bon, vraiment, on peut se dépêcher là! Allez, oui, t'as fini là? Non! Swan, c'est bon là, faut y aller, hein, dans quelques minutes! Bah, aide-moi! Mais je sais pas, moi, je fais pas l'année avec toi! Oh, t'as pu le faire tout seul quand même, hein! Non! Appelle maman, je te dis! Au lieu de regarder rien faire! Maman, viens, Swan a besoin de toi là, il est un peu paumé! Fallait anticiper ça, Swan. Fallait anticiper. Ah, le sac. Qu'est-ce que t'as pris du coup? Range le sac, s'il vous plaît. Allez, fallait anticiper. Mais ça tombe pas. Non, mais calme-toi. T'as pris la trousse, c'est bon? Ouais, t'as pris les crayons? Et l'agenda, c'est bon? Oui. Et t'as de quoi écrire? Attends, mais là, ça rentre pas. Regarde la pochette. Voilà. Mais ça tombe pas devant cette fois-ci, mon chat. Oui. Allez, c'est bon. Mais par contre, il va pas comme ça. Regarde-moi ça. Lève-toi. Swan, j'ai vraiment embêté là, c'est une blague. Swan, allez, habille-toi vite là. Swan, allez, vite. Ouais, tu prends un jean, tu prends quand même un t-shirt un peu plus habillé, un sweat. Ah là, c'est Swan, hein. Dépêche-toi, loulou, hein. Allez. Allez, Swan, vite. C'est bon? Voilà. C'est bon, allez, Swan, tu vas trop retard là. Hein. Ah, c'est bon, Swan, hein. C'est bon, loulou. Hé, Léon, mais pourquoi tu filmes? Dégage. Bon, t'inquiète, j'ai hâte de filmer. On attend dans la voiture, Swan, hein. A tout de suite. Allez, salut, Swan. Bon ben, c'est bon? Ouais, je crois qu'on est prêts là, on est dans la voiture, ça. Donc là, il y a les valises. Allez. Celle de Swan. On a pris aussi voilà. Parce qu'on est paré, hein. On peut y aller. On peut y aller, je vais aller lui préparer ses chaussures. Ça, ouais. Ça va un peu plus vite. Ok, il manque plus que Swan.
Swan. Ouais, vas-y, je vais préparer tes chaussures. Doucement, ah, voilà, ouais. Ouais, Swan, faut se dépêcher là. Go, allez, go, 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 allez, go, 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 vite, Swan. Vite. Allez, 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 Swan. C'est bon? Tout ce qu'il faut dans le sac? Ouais, ouais, c'est ça. Même pas enlevé toute l'étiquette là. Ah ouais, c'est express quoi. Vas-y, Swan, mets les chaussures là. Allez, chaussures, les chaussures. Bon, on vous prend dans la voiture parce que là, il te reste un bout d'étiquette. Hein. Ouais. Tu peux faire mes scratchs, mais. Non, mais c'est le collège Tannet, Swan. Hein. Swan, tu passes en 6ème là, non? Ouais, vite. Ouais, d'accord. Tu sais, t'es au courant que je serais pas là pour te mettre tes chaussures. Tout à l'heure, une fois que tu seras prêt. Mais arrête de bégayer! Allez, allez, Swan, Swan, Swan! C'est vrai. C'est bon? T'es prêt? Allez! Allez, on y va! Allez, go, 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 go! Allez, Swan, 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 viens, viens, viens! Allez, Swan, allez, Swan, faut y aller là! Allez, tiens, d'accord! Allez, en retard! On va être hyper en retard là! Allez, allez, attache-toi, Swan! Non, mais la ceinture est coincée! Allez, Swan, Swan, Swan! Ah bon bah attention, grande galère pour Swan pour s'attacher. Attends, il est pas attaché. Swan, dépêche-toi là. Encore là. Ok, c'est bon. Allez, c'est ok, bon. Super. Allez, c'est bon. Let's go. Aller. Bon, ça va, Swan, pas trop stressé là? Ouais, j'avais hyper chaud, j'ai couru comme un fou. Ah, genre. Ouais. Bon bah c'est le grand jour hein. Apparemment, hein, il me semblait vraiment que c'était lundi hein. Mais Swan, on vient de te dire qu'en fait on s'était trompé dans les horaires. Et là, ils nous ont prévenu parce que justement t'étais pas là. Ouais. C'est ça le truc, Swan. Donc, mais là, je suis content, c'est bon. Ouais, mais t'as des heures de retard, enfin, va falloir que tu rattrapes tout ça. Hein. Swan, ils ont téléphoné en fait en panique pour demander où tu étais. Rien je sais pas ce qu'on a fichu, mais moi j'avais noté ta rentrée lundi à 14h et en fait c'était aujourd'hui, vendredi à 14h. Rien que pour les rattrapages avec les profs, ça va être la galère, ça, Swan. Parce que... J'espère que je vais pas avoir un mot. Hein. J'espère pas pour toi. Mais hein. Bon, vu qu'on est au courant, c'est pas ta faute, Loulou. Hein, ouais, je pense que quoi. Tu vas avoir un mot, ouais. Ouais. Oh, ça commence bien. En plus. Tu sais, il y a plusieurs profs en 6ème, donc là, il va falloir s'organiser et tout. Ça va être chaud, hein. Parce que tu sais, le premier jour, souvent, ils font le tour un peu des classes pour voir les nouveaux profs, etc. Donc là, tu seras pas là, donc tu vas être complètement paumé hein, quand tu vas arriver. Hein. Oh zut. Non, mais tu vas te débrouiller après, t'inquiète pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va être compliqué. Hein. J'espère que t'as des potes dans ta classe, hein, parce que sinon, tu vas être perdu. Hein. Ouais, ouais, quand même, j'en ai quelques-uns. Ah ouf, ok, ça va. Bon, du coup, je continue de vlogger sur la rentrée scolaire de Swan. Donc ça te fera des souvenirs pour son année 6ème. Ça va. De super bons souvenirs, MDR. Ça se passe pas trop comme prévu, mais tranquille. Tu verras après très content, je pense. Ouais, je pense. A few moments later. Et Swan, on fait un jeu? Ok, si tu veux. Ouais, allez. Ni oui ni non. Devinette. Attends, je réfléchis. Ni oui ni non, franchement, je suis tenté, moi. Ça pourrait être sympa. Ah, ça pourrait être cool, mais 10, là ça fait quand même longtemps qu'on roule. Hein. T'es sûr? Ouais, parce que. Ah, t'as dit oui, j'ai gagné. Très pourri comme blague. Et du coup, tu me disais quoi juste avant? Et on devrait pas être arrivé au collège depuis longtemps? Bah, en fait, c'est que. Bah, en fait, le collège a déménagé durant les grandes vacances. C'est ça, maman, hein? Hein? Bah, tu sais, le collège a déménagé durant les grandes vacances, tu le sais bien, tu te rappelles? Tu en as eu un message du collège. Ah oui? Oui, voilà, voilà. Oui, tout à fait. Swan, en fait, si on avait reçu mais pour les vacances, je vais t'en parler. Ouais, c'est vrai que c'était pas... Oui, bah, dans Rush. Et voilà. Et du coup, ils ont envoyé la nouvelle adresse tout à l'heure par mail et c'est plus loin, en fait, je suis désolée. Ah, ok. Voilà. Il y aura donc, un peu plus de route. Ça va un peu changer. Ok. Néo, on reprend Winnie Nino. D'accord, bah, let's go. Let's go. T'es sûr? Je suis sûr. C'est parti. Ok. Alors, ça va? Ouais, ça va. T'es perdu? Ouais, ça veut pas dire oui. Hein. Bah, allez, le tricheur. Okay. Browns. Ouais. T'es impatient là? Un peu. Pour la 6ème, ça va aller? Ça va être cool. Swan, t'as trop stressé. Mis tout ce qu'il fallait dans ton sac? Évidemment. Pas trop stressé, ça va? Pas très stressé. Tu as bien pris ta trousse? Bien sûr. Bien sûr que j'ai pris ma trousse. Même avec moi, il se méfie. Hein. Et du coup, t'as plusieurs potes dans la même classe? Plusieurs. Ok, tu penses que la cantine va être bonne? Je pense. Vraiment? Je pense. Et toi, Néo? Qu'est-ce qu'il y a? T'as préparé toutes tes affaires pour les cours? À moi, tout est prêt. C'est bon à 100%. Je te crois pas du tout. Pourquoi? Pareil. Ouais, d'habitude, hein, Swan. On est d'accord que Néo, il peut y avoir jamais ses affaires. C'est toujours le dernier moment. Évidemment. Carrément. Hein, Swan? Carrément. Ouais. Carrément, c'est le cas de le dire. Jamais tu prépares tes affaires. Ah, mais tout à fait. C'est sûr. Je parie que t'as pas pris ta trousse. Oui. Quand même. Oh, j'ai pensé... Non, non, non. T'as dit oui. Mais c'était juste pour vous calmer. Allez. Ah. Et niveau scolarité, Swan, tu penses être bien là? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, qui c'est qui a pas fini son cahier de vacances? C'est pas Swan, moi. Swan, vraiment, hein. Irresponsable. Pas comme toi, hein.
Écoute, moi ça va, moi c'est mon personnage, mais toi franchement... Toi t'as même pas fait une page. T'aurais pu faire un effort Swan quand même hein. Et toi alors? Bah moi c'est normal de pas le faire. Bah c'est pas normal en fait. Ah bon? Toi aussi tu dois faire des cahiers de vacances hein. Vraiment? Évidemment. Moi j'ai fait 3 pages, 4 ou 5. Mais c'est sympa ou pas les cahiers de vacances? C'est marrant à faire. C'est hyper cool. Ça va, sympa? Je pense que tu vas bien t'amuser. Il y a du fun tout ça, il y a des jeux. Évidemment, il y a du fun quand même. Hein. Ok, c'est pas un peu ennuyant? Bah, c'est pas comme jouer à la console, mais c'est pas ennuyant. C'est un petit jeu tranquille quoi. C'est un cahier d'exercice. À tester pour l'année prochaine, hein, en vrai. Pour l'année prochaine? Bah oui, pour les grandes vacances. Oh non, j'ai dit oui! Non, il m'a battu! Bah oui, pour les. Oh non! Et voilà! Swan de boss, ni oui ni non. Ah! Yeah. One eternity later. Swan a trouvé un bon moyen de s'occuper. Et Swan reprend le ni oui ni non? Mais Néo, c'est quand même bizarre, hein! Genre, ça fait au moins une heure qu'on rouille! Donc, ouais, il a quand même pas déménagé si loin! Certes, certes. Bah écoute, Swan, c'est le moment de faire le point sur ton iPhone tiers scolaire! Allez, c'est parti! Allez! Mais on n'avait pas déjà vérifié? Mais Swan, t'es vraiment parti en trombe, donc imagine t'as oublié des choses. Ouais, vas-y. Vérifie même ton sac quand même. Non, allez, Swan, petite vérification. On sait jamais, hein. En plus, t'avais un petit bout d'étiquette à couper aussi. Ouais, t'avais des choses à faire, Swan. N'oublie pas, hein. Alors, ici, y'a rien. J'ai fait deux. Allez, Swan, vérifie tout ça là. Déjà, je vais essayer d'enlever l'étiquette. Je crois que tu vas avoir besoin de tes ciseaux, Lou. Ouais, je pense aussi. Ouais, j'ai cherché ma trousse. Déjà, j'ai l'agenda. Donc ça, j'ai pas oublié. Ah, l'agenda Swan et Néo. Dans la dernière poche. T'es pas un peu perdu avec toutes tes poches là? J'ai bien perdu la semaine même hein. Attends mais Swan, ça commence comme ça en classe, tu prends 20 minutes à sortir toutes tes affaires de ton sac. J'ai mis deux trousses, hop. Donc là j'ai mes crayons de couleur, j'ai rien oublié. Ça va là-dessus, ok. J'ai rien oublié. Hein. Et là-dedans, on va voir si j'ai oublié quelque chose. Je sens pas la trousse. J'ai crayon, j'ai la gomme, j'ai la colle, j'ai les ciseaux. Ça va pour l'instant, tranquille. J'ai les surligneurs, j'ai crayon de papier, j'ai les stylos de différentes couleurs. C'est bon, j'ai rien oublié. Bah, j'ai juste coupé l'étiquette. Super, ok, vas-y, coupe l'étiquette, ouais. Et j'ai vraiment rien oublié du coup. Et voilà, c'est fait. Ouais, Swan, continue toutes tes vérifications là et on se retrouve après, ok? J'ai déjà fini, hein, j'ai rien oublié. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, j'ai juste rangé mes affaires. Bon, Swan, je pense que là, dans quelques minutes, on y est. Par contre, Swan, oui, est-ce que tu as checké tes livres? Ah, mais c'est ça que t'as oublié, Swan! Ah bah oui, ensuite... bah allez, Swan, faut checker tout ça là. Tu les as pris tes livres? Bah non, je les ai pas pris. Oh, non. Ah oh Swan, t'as oublié tes livres? Mais ils ont bien dit pourtant qu'il fallait les prendre dès le premier jour. Hein. Oh non. Swan, à chaque cours, tu vas avoir un oubli là, tu te rends compte? À chaque cours. Mais dès le premier jour, tu vas finir en colle. Bon, ajoute pas du stress, ok? Non mais Swan, je suis désolée, mais c'est ce qui arrive en fait. Hein. Swan, on a quand même une bonne nouvelle pour toi. C'est quoi? Tes livres sont là. Oh, trop cool. Ah, ça va? Ouais, ils sont dans la voiture. Ouf, ok, c'est bon, t'as anticipé ça. Il va falloir que tu vérifies. Par contre, que t'as bien tout. Tu vas checker avec la liste que t'as rien oublié. D'accord. D'accord. Okay. Bon, par contre, Swan, je sais pas du tout où sont tes livres là. Bah, pareil, hein. Vous êtes sûr qu'on les a emmenés? Dit que tu les avais emmenés, donc bon. Oui. Ah, ils sont où alors? Là, ils sont avec vous à l'arrière, hein. Ouais, où ça? Eh, c'est quoi ce carton? Attends, un carton? Ah ouais? C'est tout ça qui... Ah ouais? Regarde. Attention. Ah ouais, mais c'est ça? Ouais, c'est quoi? Ils sont là? Quelque chose de très important. Ouais. Oui. La route pour aller au collège, là, elle te paraît courte ou longue? Très longue, hein. C'est sûr. Est-ce que tu es sûr que tu pars pour le collège? Bah, quand même, ça va l'air très long, hein. C'est un prank? Je crois qu'il faut que tu ouvres le carton pour savoir. Ah, où. Allez, c'est parti, Swan, vas-y. Allez. Qu'est-ce que c'est? What? Europa Park. Oh, Europa Park, c'est vrai? Attends, quoi? C'est parti. Oh, Snorri. Il y a pas eu Snorri. Oui, il est là. Merci. Donc il y a une lettre là, ok, on va lire ça. C'est parti alors. Cher Swan, Néo, Sophie et Greg, il y a bientôt un an, vous étiez parmi les tout premiers à découvrir Rue Lantica, ouais, le nouveau vrai. Parc aquatique d'Europa Park. Et ouais, effectivement, hein, Swan Travel, tellement bien. C'est trop cool. Merci encore d'avoir été des nôtres pour ce beau séjour parmi nous. Depuis, le monde de Rue Lantica s'est élargi. Désormais, ce tout nouveau roman, Rue Lantica, l'île secrète, raconte en français toute l'histoire qui se cache derrière le parc aquatique. Ah oui, du coup, dans le roman, c'est ça là. Wow, il est immense. Tellement chiant, oh, j'adore la couverture. Hein. Mais j'ai eu tout de suite. Oh, mais t'as vu l'épaisseur? Oh, c'est méga histoire. Hein. Mais j'ai ah, tout ouais, suite, hein. Direct, Swan, il se lance dans la lecture là. Écoutez, hein. Merci, ça fait trop plaisir. Attends, y'a quoi d'autre? Figurine, regarde, figurine Snorri. Il y a une mignonne avec le trident. Snorri. Et on a un mug
Et we go. Magnifique action de mer. Ah ouais, non, c'est magnifique. Hein. Franchement, c'est sympa. Il y a une serviette là en tout cas. Ah, ça, ça sent le parc aquatique, Swan. Hein. Ou le cours de natation, Swan. Le cours de natation. Le cours de natation, Swan. Au collège. Ah ouais. Ah, il y a du slime Snorri. Slime Snorri. C'est pour les cours de chimie, ça, non? Il y a des bonbons Snorri. Ok, la cantine. Et Swan, fais voir, sors la serviette depuis là. Ah ouais, c'est marqué rue Antica. Ah ouais, mais tellement stylé. Trop bien. Franchement, le colis, il est incroyable. T'es d'accord? Franchement, génial. Bon, du coup, Swan, il va bientôt pleuvoir là. Donc, bah, tant mieux que tu vas à l'école. Hein. On va se prendre un de ces orages. Tu seras bien à l'abri dans ton collège. Ouais, non. Ça sera mieux pour toi. On va forcément à rue Antica, c'est sûr. C'est pas sûr du tout. Bah, non, Swan, c'est une chance sur deux, mais on t'a bon, déjà dit. Ouais, hein. C'est sûr. Mais j'ai aussi un colis pour rue Antica. Bah, c'est une petite surprise, tu vois. Mais moi, j'y crois pas trop. Hein. On verra. Hein. C'est comme la lettre pour Poudlard. Tu sais, tu vois, c'est colis. Peut-être que c'est un collège là-bas, tu sais pas. Eh ouais, hein, collège de l'Antica. Bon. Bah allez, on verra. Hein. On verra. Le trajet n'est pas fini. Tu crois quoi pour l'instant? Tu penses que tu vas où? Je pense que je vais à rue Antica. Moi, je crois pas trop. Hein. Et la rentrée des classes alors? Bah oui, Swan. Alors? Bah c'est lundi la rentrée des classes. Et on sait pas, hein. Sûr? Non, non, bon. Ils nous ont appelé. Swan, on verra. Swan? Oui. Ça y est, regarde, le soleil est revenu. Ah, oui. Okay. Et on est arrivé. À ton collège, ça y est. Et voilà, le collège. Mais par contre, mon collège, c'est Poudlard en fait. Ça ressemble un peu, mais attends, je vais te montrer. On va te montrer. Regarde, Swan, tu vas être bien ici. Bah ouais, la fontaine, tout ça. C'est un bon collège. Regarde, c'est vrai que ça ressemble un peu à Poudlard. Allez, Swan, vas-y, bon, tu vas être parti. Bien. Ah. Il va être très bien ici, hein. Pas de problème, super collège, une fontaine, tout est normal. Un parking avec des tas de voitures, tout va bien. Attends, mais il est parti, vous avez même pas dit. Attends, mais quoi? Il part vraiment en plus. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire là? Attends, mais en fait il est à fond. Je sais pas, et il y croit ou il y croit? Attends, pas là? Attention. Attends, reviens. Qu'est-ce qu'il y a, Swan? T'as oublié un truc? Alors? C'est pas un collège. Ah bon, c'est un hôtel? Oui. Alors c'est pas ton collège ici finalement? Ah, c'est bon, j'ai compris, c'était un prank. Ah, d'accord. C'est pas aujourd'hui la rentrée? Non. Non, non, c'est lundi, t'as de la chance, voilà. C'est lundi. Dernier week-end. Du coup, quel est le programme? Bah là on profite un maximum de Europa Park, hein. C'est parti, on va direct à l'hôtel, let's go. Alors Swan, tu nous en veux pas pour ce petit prank? Non, en vrai, ça va les coups, hein. Ouais, franchement, pour Europa Park là, c'est pas rien. Ouh. On y va. Tu vas pouvoir faire tes devoirs en plus. Oui, comme ça. C'est bon, j'ai pas de vêtements pour le week-end. T'inquiète pas Swan, on a tout prévu. C'est, on t'a préparé tes vêtements dans la valise. Ah, ah, merci. C'est une belle en surprise là. Tu t'es rendu compte de rien, mais le coffre est plein. Il a même pas cramé ça. Allez, allez, on y va. C'est parti pour un week-end. Yeah. Du coup voilà, c'est la fin de ce prank, j'espère que ça vous aura plu. Bon, Swan s'est bien fait avoir, mais bon là il est bien content. En attendant, si vous voulez voir la suite des aventures à Europa Park, allez sur la chaîne Sophie Fantasy pour un nouveau vlog. Allez, passez au pouce bleu et surtout abonnez-vous plein gros. Bisous, on vous dit bye bye.